Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons faire une séance de booty abs, autrement dit fessiers abdos. Alors j'espère que vous êtes prêtes, c'est 30 minutes. Nous allons faire ça sur une progression de 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Donc si vous voulez vous arrêter un petit peu avant, aucun problème. Si vous faites 20 secondes, c'est bien. Si vous faites 25 secondes, c'est encore mieux. Mais bon, prenez votre temps sur chaque exercice et surtout prenez vraiment votre temps de repos de 30 secondes. Donc nous allons commencer avec un premier exercice qui est un squat. On va se mettre en face du tapis, les pieds bien à plat, les abdos bien engagés, les pieds surtout bien à plat et surtout, c'est très important, le poids du corps dans les talons. Et on va commencer tout doucement à remonter, à redescendre tranquillement. Imaginez vous asseyez sur une chaise et inspirez on the way down et expirez on the way up. Ok, so. Et on remonte. Si on arrive à faire 90 degrés, c'est très bien. Sinon, si vous descendez comme ça, c'est aussi bien. Mais prenez votre temps. L'idée, c'est vraiment de travailler sur une motion et surtout en continuité. Et on est sur 30 secondes, mesdames. On continue. On inspire bien, on expire bien et on relâche. Les 30 secondes de repos sont écoulées. On va commencer sur un deuxième exercice. C'est soit on va accumuler deux exercices. On va aller sur un squat. On va remonter le genou droit. On va croiser, chercher le coude gauche. Et on va alterner avec le genou opposé. Donc tout simplement, on descend sur un squat. On remonte le genou et on alterne. Pareil, inspirez bien et expirez bien sur chaque mouvement. C'est très important. Et on remonte bien. On vient chercher à travailler sur une activation au niveau des abdos. On descend bien et on remonte bien. Et toujours avec les abdos bien engagés. Et on relâche. Maintenant, nous allons enchaîner sur le troisième exercice. C'est un workout. Donc, les jambes bien tendues. On vient poser les mains sur le tapis. On va faire 1, 2, 3. Et là, on descend le bassin au sol et on relève la tête. On revient en position debout, jambes bien tendues. Et on va accumuler plusieurs de ces exercices. Étirez bien. C'est un étirement et une activation en même temps. Récupérez en haut et redescendez tout doucement. On va revenir sur ce workout, donc bras tendus, jambes bien tendues, on vient descendre, on vient poser les mains sur le sol, on vient en position de planche cette fois, on descend pas le bassin, on ramène les pieds bien ensemble, on garde cette planche et on veut lever la jambe droite et on va l'immobiliser. Et on tient le dos bien droit, alors faites-moi une belle rétroversion du bassin, je ne veux pas ça. On pousse ses lombaires vers le haut et on immobilise bien cette jambe et on tient. Bien solide. Vous voyez que mes épaules sont dans l'axe de mes poignets et on immobilise bien. Et on tient. Et on relâche.
Alors, une fois qu'on a immobilisé comme ceci, on va faire des petits pulses. Donc, on va relever la jambe tout doucement. Un pulse. Et on tient toujours dans cette position. On va immobiliser. On garde ses épaules bien tendues. Et on tient. Et on tient sur 5, 4, 3, 2, 1. On dépose le pied sur le sol. On écarte les jambes. Et on revient en position debout. Donc maintenant, on va faire cette fois la jambe gauche. Donc toujours pareil, bras tendus devant nous. Jambes bien tendues, on vient poser les mains sur le sol. On vient en position de planche. On ramène les deux pieds ensemble. On va lever la jambe gauche. Et on va venir immobiliser. Et on tient, on travaille sur la renfo là. Solidement, on tient la position. Toujours cette rétroversion du bassin. On relève les lombaires vers le ciel. Et on tient. Solidement. Patiemment. Les 30 secondes sont écoulées. De la même manière, on vient toujours dans cette position de planche et on va faire des pulses. Et on va continuer ces pulses sur 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On immobilise bien la jambe, on pose le pied sur le sol, on écarte les jambes, jambes tendues, on revient en position debout et on récupère. Nous allons enchaîner sur un sumo squat. Donc la différence entre un squat et un sumo squat. Le squat, on commence les pieds bien parallèles, si on peut. En sumo squat, on écarte les doigts de pied vers l'extérieur, genoux en direction des doigts de pied. Évidemment, plus on est flexible, plus on descend. Moins on est flexible, moins on descend, tout simplement. L'idée, c'est vraiment de pousser les fessiers vers le bas, en direction des talons, et on remonte tout doucement. Prenez votre temps, toujours les abdos bien engagés sur chaque mouvement. On remonte, on descend. Allez, on descend bien et on va faire une petite immobilisation sur la fin. Vous êtes prêts dans 4, 3, 2, 1. On immobilise, on tient la position. Sur 4, 3, 2, 1. Allez, on relâche. Allez, on enchaîne tout de suite, après ces 30 secondes de repos, jambes bien écartées, comme ceci, on écarte un maximum évidemment, tout dépend de votre flexibilité, et on va faire une planche, une fente, excusez-moi, latérale, droite, on revient en position jambes tendues, et on va faire la fente gauche. Prenez votre temps, respirez bien, on descend, on travaille sur de la mobilité, et surtout, flexibilité. L'idée, c'est vraiment de travailler tout doucement. Prenez votre temps, poussez bien sur votre talon. On vient s'asseoir sur le talon
Et on revient en position jambe tendue. Allez, on va repartir sur un walkout. Donc, bras tendus, on vient descendre tout doucement, on vient poser les mains sur le sol. Petit walkout, on l'a pris, on sait ce que c'est. On revient en position de planche. Et là, on vient fléchir sur les genoux. On recule les mains, le dos bien droit et on immobilise le bear crawl. C'est une position de bear crawl, comme vous voyez, comme un animal. Et on va lever la jambe droite et on va venir immobiliser. On tient la position sur 5, 4, 3, 2, 1, genoux sur le sol, bras tendus et on immobilise. Allez, on a fait cette immobilisation, on vient croiser, coude gauche, genou droit, on cherche l'extérieur, on arrondit bien le dos et on relève bras et jambes. On ramène, nouvelle fois, vous voyez mon dos est bien arrondi, et on relève bras tendus, jambes tendues. Et on alterne les deux exercices, bras tendus et le crunch. De la même manière, respirez bien, très important sur chaque mouvement. Hop, et 3, 2, 1, on vient immobiliser sur 4, 3, 2, 1, on pose la main sur le sol. Pose la main sur le sol, on fléchit sur le genou, on repart, on ramène le genou près du menton et on relève la jambe. On travaille sur le fessier droit, on relève et on ramène, on relève et on ramène. Très important de creuser le dos en remontant et d'arrondir bien le dos une fois que le genou est près du menton. Et on relève. Et on relève. Encore 5 secondes et 4, 3, 2, 1. On va venir immobiliser. Allez, une fois qu'on est immobilisé, on relève ce genou, on ramène le genou vers le menton et cette fois, on croise la jambe opposée. On ramène le genou près du menton et on cherche l'extérieur de la jambe gauche. Allez, plus vous allez remonter en diagonale, plus vous allez traiter votre fessier. Allez, on ramène, hop, on respire bien sur chaque mouvement, hop, et on ramène. Allez, plus que 8 secondes et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on immobilise une nouvelle fois.
Alors, mesdames, vous avez immobilisé. Bon, pour vous, je vais me tourner vite fait, mais l'idée, c'est vraiment de garder cette jambe tendue, en flexion plutôt, mais surtout relevée. Alors, regardez-moi, on va poser le coude gauche sur le sol. On vient se tourner le genou sur le sol. On tend la jambe. On fait une belle ligne entre le genou, la hanche et l'épaule. On pose la main sur la hanche et on remonte cette jambe en pulse. Allez, 15 secondes, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On immobilise cette jambe. On tient la position. Toujours sur cette immobilisation, on va faire des petits cercles avec nos doigts de pied. Donc on pointe avec les doigts de pied, petit cercle sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais nous n'avons pas fini, on va faire les petits cercles à l'inverse. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On immobilise sur 3, 2, 1. On peut déposer. Donc nous avons déposé, on va relever cette hanche pour notre dernier exercice, on va relever cette jambe droite. On va venir bras tendus et cette fois on va chercher coude genou, ça s'appelle un crunch. De la même manière, on vient travailler sur ses obliques, on relève. Plus vous allez remonter ce genou, plus vous allez traiter vos obliques. Et on crawl, et on ramène, et on tient. Et 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on immobilise sur 3, 2, 1 et on peut déposer enfin. Allez mesdames, on repart sur un workout. Cette fois, on va faire le côté opposé. Donc on vient poser les mains une nouvelle fois. Jambes toujours bien tendues. Petit workout. On vient en position de planche. On immobilise. On tient sur 3, 2, 1. On fléchit sur les genoux. On recule avec les mains. Position de back roll comme tout à l'heure. Et on va venir immobiliser sur 3, 2, 1. On lève la jambe gauche. On tient sur 5, 4, 3, 2, 1. On dépose le genou sur le sol. On relève le bras droit et on immobilise. Allez, on a immobilisé suffisamment. Cette fois, comme tout à l'heure, on vient chercher coude droit. Cette fois, genou gauche. On relève au maximum, bras tendus, jambes tendues. Et on ramène en crunch. On relève, on ramène. N'oubliez pas de bien creuser le dos en relevant. Et d'arrondir bien le dos quand vous faites ce crunch. Et on ramène. Et on tend. Et on ramène. Allez, plus que 8 secondes. Et 7, 6, 5, 4, 3. On va immobiliser dans 2. 1, allez, on tient la position. 4, 3, 2, 1. On pose la main sur le sol.
Allez, on a suffisamment mobilisé, on vient fléchir sur le genou. Et là, on ramène le genou près du menton et on relève cette jambe. Et un. Et on ramène deux. N'oublie pas de bien arrondir le dos et bien chercher ce menton et on relève un maximum. Trois. Quatre. Allez, on continue, mesdames. On relève un maximum. On inspire bien sur chaque mouvement. Et on continue sur le mouvement. Allez, plus que 7 secondes et 6, 5, 4, 3, 2, 1, on immobilise à 90 degrés. Et 3, 2, 1. Allez, on ramène ce genou près du menton et cette fois, on vient croiser la jambe opposée. On ramène le genou près du menton et on croise la jambe opposée. Alors, restons bien en flexion sur chaque mouvement et mais remontez un maximum cette jambe pour bien travailler ce fessier. Plus vous allez croiser, plus vous allez travailler votre fessier. Et on ramène. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comme tout à l'heure, on revient en position et on tient la position. Et cette fois, dans le même mouvement, on vient chercher l'extérieur de ce coude ou l'extérieur, évidemment, de cette épaule. Comme vous voulez, vous choisissez. L'idée, c'est vraiment de travailler. Plus vous allez ouvrir, plus vous étirez vos obliques. Comme celle de la jambe droite, on remonte et on repart. Allez, on relève un maximum. On travaille toujours sur ce mouvement. Allez, plus que 7 secondes et 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on revient en position initiale. On remonte cette jambe. Allez, nous sommes toujours en immobilité. Cette fois, on va descendre ce coude droit. On vient toujours chercher ce genou droit. Donc, toujours genou, hanche et épaule dans la ligne. On tend la jambe, on vient poser la main sur la hanche et on passe sur un pulse. Et on remonte. Et 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on immobilise. Allez, on a immobilisé, on va faire ces petits cercles avec les doigts de pied sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on immobilise, on repart de l'autre côté, allez, c'est reparti, on inverse ces petits cercles, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on immobilise sur 3, 2, 1, et on relâche.
Ah, on est toujours sur les jambes tendues. Cette fois, on va relever le bras au-dessus de la tête, jambes et bras bien tendus. Et on part sur le crunch. Et on ramène coup de genou. Comme tout à l'heure, on essaie de remonter ce genou le plus haut possible. On travaille sur l'oblique gauche cette fois. On remonte et on tient sur 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On immobilise sur 3, 2, 1 et on peut déposer. Bon, mesdames, nous allons passer à la section numéro 2 de cette séance, qui sont les abdos. Donc, très, très important, sur chaque mouvement, c'est des règles qui sont vraiment très importantes pour les abdos. Numéro 1, quand vous montez bien les jambes, c'est très important de mettre les lombaires sur le sol. Donc, pour monter les lombaires sur le sol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relever la tête et les épaules. Si je relâche complètement, mes lombaires me remontent. En revanche, si je relève ma tête et mes épaules, automatiquement, mes lombaires sont sur le sol. Plus vous allez descendre, plus vos lombaires vont remonter. Si vous sentez vos lombaires remonter, remontez vos jambes. Ça ne sert à rien de descendre trop bas et les lombaires ne touchent pas le sol. Ça va vous faire travailler le dos, ça va vous faire mal au dos. Et en fait, vous faites surtout plus une résistance sur le dos plutôt que les abdos. Donc, on garde un angle spécifique qui sera bien adapté pour vous. Pour moi, mon angle, il est là. Pour vous, il sera peut-être là. Donc, on commence avec ces règles. On recommence. Les pieds sur le sol, bras tendus. On va commencer tout doucement par une activation. On redescend tout doucement. On peut relâcher la tête si on veut. Et on remonte bras tendus. Donc, le dos viendra en remontant. Et on relâche tout doucement. L'idée, c'est de ralentir le mouvement. Remonter en explosivité. On relâche, on remonte. Plus vous allez arrondir votre dos, plus vous allez faire un relâchement, plus vous allez travailler vos abdos. Allez, plus que 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on est sur un break. Allez, mesdames, nous allons nous allonger. On va mettre les mains sous les fesses. On va relever les jambes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, je suis là. Pour vous, vous êtes peut-être là, peu importe. L'idée, c'est d'essayer de maximiser. Donc, à un angle à 45 degrés qui est à peu près là. 90, 45, 0. OK, on est sur 45. On va partir sur des ciseaux verticaux. Et on va immobiliser ce mouvement sur une quinzaine de secondes. Allez, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on relève la tête et les épaules, 3, 2, 1, on immobilise sur 5, 4, 3, 2, 1, on ramène ses genoux, on dépose les pieds sur le sol, on relâche. Allez, de la même manière, on relève la tête, les épaules, on vient poser les bras sur le sol cette fois, on remonte les genoux, on va faire un angle à 90 degrés. Très, 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 très bon exercice pour celui-ci, car ça ne va pas vous faire mal au dos. On va descendre la jambe droite, on remonte la jambe droite, et on va alterner avec la jambe gauche. Vous redescendez la jambe uniquement quand la jambe opposée est remontée. On descend et on ramène. Si vous commencez un peu à avoir mal au cervical, ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser vos mains sous
la tête et relâcher. Mais l'idée, c'est de vraiment de bien mettre le menton près du bassin et travailler sur vraiment cette tête et ses épaules relevées. Ah, et puis que 7 secondes et 6, 5, 4, on va immobiliser la jambe droite dans 2, 1, on immobilise sur 5, 4, 3, 2, 1, on remonte, même chose de l'autre côté, sur 5, 4, 3, 2, 1, on remonte le genou, on pose les pieds sur le sol, on relâche. Allez, on va relever la tête et les épaules une nouvelle fois. Cette fois, on va poser le pied gauche sur le genou droit. On vient poser le bras gauche sur le sol. On relève le coude droit et on va partir sur une rotation à gauche. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, on remonte au maximum. Alors, certains pourront monter jusqu'en haut, d'autres moins. Si vous pouvez monter jusque là, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de descendre, relâcher complètement la position et remonter le plus haut possible. À votre manière. Et à votre rythme, c'est très très important sur les abdos. L'idée, c'est pas de se faire mal, mais de maintenir un momentum sur chaque exercice. Allez, on relève et on remonte. Allez, plus que 12 secondes et 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on pose le pied gauche sur le sol, on relève le pied droit et cette fois, on va chercher le genou droit. On relève le coude gauche, bras sur le sol et 3, 2, 1, on remonte, c'est parti. De la même manière, prenez votre temps, remontez à votre maximum, pas du mien. Si vous ne pouvez pas remonter, c'est pas grave, travaillez sur votre capacité, pas la mienne. Allez, on remonte le plus haut possible. On peut s'aider du bras droit pour remonter. Si vous voulez, il n'y a aucun problème, ce n'est pas la tromperie, c'est juste travailler en profondeur, c'est beaucoup mieux. Allez, on remonte bien, plus que 8 secondes et 7, 6, 5, 4, on va chercher derrière, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, toujours pareil, on va relever la tête et les épaules, on vient poser les mains sous les fesses, hop, on est solidement sur le sol, on vient remonter les genoux, on tend les jambes à 90 degrés, et à partir de là, on fait une montée de hanche. Hop, l'idée c'est de contrôler ce mouvement sur cette montée de hanche. Je ne veux pas ça. Ok, donc jambes bien tendues, on relève, on dépose. On relève, on dépose. Ça c'est le vrai bon exercice d'une montée de hanche. L'idée c'est tout est sur le contrôle. On relève, on ralentit, on relâche, pas sur cet exercice. Et on remonte un maximum. Plus vous remontez, plus vous êtes horizontal, mieux c'est. Si vous montez comme ça, vous ne travaillez pas. Vraiment dans l'axe de la hanche. Allez, plus que 8 secondes de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit sur les genoux, on pose les pieds sur le sol, on relâche.
Allez, mesdames, nous allons étirer un petit peu. On va poser les mains sur le sol, à quatre pattes sur les genoux. Et là, on va ramener le menton près du bassin et on remonte bien le dos le plus haut possible. Imaginez, comme au yoga, imaginez un câble qui est au milieu du dos et qui vous tire vers le haut. On étire un maximum. On relève, 4, 3, 2, 1. Et là, on vient creuser le dos et on relève la tête le plus haut possible. Et on va tenir sur 5, 4, 3, 2, 1. Allez, une nouvelle fois, on ramène le menton près du bassin. On arrondit bien le dos. On monte, on monte, on monte jusqu'au ciel. Et on relâche la position en relevant la tête et en creusant le dos. Allez, on va faire ça une troisième fois. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, on ramène le menton près du bassin. On arrondit bien le dos. Et on relève la tête et on creuse. Et 4, 3, 2, 1. On va relâcher. On va mettre le bras droit à l'intérieur. On vient déposer le bras sur le sol et la tête. Et on relâche complètement la position. Donc là, on est sur le dos. Et on tient sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Allez, on revient en position. Les deux mains sur le sol. Cette fois, on va aller sur le bras droit, bras gauche, excusez-moi. On dépose complètement et on pose la tête sur le sol. Et on relâche. Et on tient sur 10 secondes. 4, 3, 2, 1. On revient en position. On vient croiser la jambe gauche. On va tendre la jambe droite. Bras tendu. On vient tirer les fessiers de la jambe gauche. On a fait du bouti, on a fait du fessier, donc on étire un maximum. Allez, on grappille un peu. On vient avancer avec nos doigts et on vient étirer le dos en même temps. On met du poids sur la hanche pour vraiment étirer ses fessiers. Et on va tenir sur 4, 3, 2, 1. On relâche, on revient en position. Ah, même chose de l'autre côté. Position de planche, on croise la jambe droite. On tend la jambe gauche, bras tendu. De la même manière, on vient relâcher, on vient grappiller. On étire le dos. Et là, on relâche complètement sur 10 secondes. Et 9, 8, 7, 6. Allez, on revient en position. Position de planche. Alors, regardez-moi, on vient poser les genoux sur le sol. On vient lever le pied gauche, les mains sur les hanches. On fait une petite rétroversion du bassin. Et là, on se hisse vers l'avant. Donc, on étire les flexeurs qui sont les muscles qui sont à l'intérieur du psoas. Vous avez dû entendre parler. Donc, c'est un des muscles les plus longs du corps. Il commence à la hanche et il descend jusqu'au genou. Et c'est très important si on s'assoit, si on est souvent assis à une table, à une chaise. C'est bien d'étirer ce muscle-là. Et on relève le bras droit vers le ciel. Et on s'étire vers la gauche et on étire le flexeur extérieur de la jambe droite. Allez, 3, 2, 1. On relâche. Même chose du côté, on revient sur les genoux. Pied droit devant. Rétroversion du bassin. Les mains sur les hanches. Le dos bien droit. Et on se hisse vers l'avant. Allez, on étire bien toujours ce flexeur qui est juste ici. Vous devrez sentir vraiment en poussant bien et surtout le pied bien à plat sur le sol. On relève le bras gauche, on s'étire vers la droite. Et on vient relâcher. Sur 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on relâche. On revient poser les mains sur le sol. Hop. Et là, on va se mettre en position chien tête en bas. On vient étirer un maximum. On va tenir la position sur 5, 4, 3, 2, 1. Et là. Tout doucement, on descend et on relève la tête. C'est la position du cobra, si je me souviens bien. Allez, on relève bien la tête, on étire bien les abdos. Et là, on revient, on écarte les genoux vers l'extérieur, bras tendus. Et on relâche complètement. Et on tient ça sur 20 secondes. Pareil, on peut grappiller vers l'avant pour étirer le dos une dernière fois. Et on relâche.
Allez, plus que 7 secondes ici. 6, 5, 4. La séance fessier et abdos est finie. J'espère que ça vous a plu. Et faites cette séance un maximum de fois. C'est bien de la faire au moins deux fois par semaine. C'est une bonne façon de bien commencer la semaine et de bien la terminer. Voilà, lundi, vendredi, parfait. Bonne journée à vous et bonne séance.